Magellan, en 1519, quand il passe par son fameux détroit, on voit sur les cartes qui sont publiées suite à cette expédition qu'on dessine un énorme continent qu'on appelle la Terra Australis. On pense qu'il faut une grosse masse continentale au sud pour équilibrer un petit peu les masses continentales du nord afin que la Terre reste en équilibre. Il faudra attendre le grand James Cook pour qu'il fasse la circumnavigation de cette Terra Incognita. Cook dira que même s'il existe un continent supposé au sud de son passage, ça ne sert pas à grand-chose de l'explorer. Il est forcément stérile, englacé et sans aucun intérêt. Le premier, théoriquement, à voir le continent antarctique, c'est en 1820, c'est le russe Bellinghausen, au cours de la deuxième circumnavigation. On est quand même très loin après Cook. Puis par la suite, dans les années 40, Gauss a situé le pôle magnétique vers le continent antarctique. C'est un peu la course au pôle magnétique, à laquelle participe un autre Français, Dumont d'Urville, qui est presque le premier officiel à mettre le pied sur le continent antarctique, mais comme il atterrit en Terra Deli et que la côte est très glaciaire, il ne met le pied que sur l'archipel de Pointe Géologique, qui est à une centaine de mètres du continent lui-même. Moins confidentiel que Dumont d'Urville, c'est la découverte par Ross de la mer qui porte son nom, et par exemple de l'île de Ross avec ses fameux volcans Erebus et Terror, et des montagnes subantarctiques qui sont derrière. Après, pendant 40 ans, il ne se passe plus grand-chose en Antarctique. Il faudra attendre la fin du 19e. Pour les premières grandes expéditions qui, alors là, sont plus gouvernementales, notamment le Belge Gerlache, qui le premier, par hasard, se fait prendre dans la banquise, et c'est le premier hivernage à l'Antarctique. Il a de sérieux gaillards à bord, on y retrouve Amundsen comme second, on y retrouve Cook, le rival de Perry au pôle Nord, comme médecin. L'expédition se passe relativement bien et on se dit que finalement on peut y hiverner, on peut y passer l'hiver et y faire des études un peu plus poussées. Et là c'est un peu l'âge héroïque de l'Antarctique, c'est-à-dire que les expéditions gouvernementales se montent les unes derrière les autres, la France avec Charcot, Bruce l'Écossais, suivi par les nations qui sont plus intéressées par la conquête du pôle sud comme emblème. On pense à Amundsen, on pense bien sûr à Scott avec leur course épique sur le pôle sud, qui est vaincu à un mois d'intervalle par les deux expéditions. C'est Amundsen bien sûr le grand vainqueur, vu que Scott y laissera sa vie ainsi que celle de ses compagnons sur la voie du retour. Il ne faut pas oublier que des gens comme Carl Anton Larsen, qui faisait partie de l'expédition de Nordenskjöld de 1902, étaient très intéressés par les baleines, parce que l'Antarctique est un continent où il y a beaucoup de krill, donc beaucoup de baleines qui viennent se ressourcer pendant la période estivale. Et l'industrie baleinière a été très 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 importante dans ces eaux. Larsen le premier a construit des bases sur l'île de la Géorgie du Sud dès 1904. Puis on trouve des bases quand Charcot débarque à l'île Déception, les baleiniers sont là et ils écument toutes ces mers. Je ne sais pas combien de millions de baleines ont été tuées sur l'Antarctique, mais c'était une industrie vraiment très florissante. À partir des années 20-25, on commence à penser que pour vraiment découvrir ce vaste continent, il ne reste qu'un seul moyen. Le traîneau devient un peu obsolète et on essaie d'y introduire l'avion avec des personnes haut en couleur comme Hubert Wilkins et son concurrent direct, l'amiral Byrd, qui sera le premier à atteindre le pôle sud en avion. En 1928. Donc l'avion permet de cartographier tout ce vaste continent. On commence à penser qu'il serait intéressant pour des régions de météorologie d'y installer quelques bases permanentes.
Et se dessine petit à petit un mouvement de coopération qui culminera dans les années 50 avec une expédition qui sera conjointe entre les Suédois, les Norvégiens et les Anglais. Et on se dit que ça marche pas si mal cette coopération et on décide d'effectuer ce qu'on appelle l'année géophysique internationale dans les années 56-57, un effort énorme sur l'Antarctique. Pour résoudre des problèmes climatiques au départ, et on installe des bases un peu partout. On partage, on s'entraide, même en pleine guerre froide, c'est très très étonnant comment les Américains ont soutenu le programme antarctique russe, notamment sur la base très isolée de Vostok. Ils y ont carrément planté deux avions pour aider les scientifiques à mener à bien leurs travaux. Et cet effort sera soutenu par toutes les nations. On parle à un moment donné quand même d'exploiter un petit peu les richesses du continent. Et là, quelques pays s'y opposent. La France est un fer de lance avec l'Australie, refuse ce traité dit de Wellington, qui sera remplacé par le traité de Madrid, qui est donc en vigueur pour une cinquantaine d'années, qui exclut toute exploitation du continent. Il était au préalable renforcé par une protection de toute la faune et la flore, ainsi que des pêcheries autour de l'Antarctique. Et on arrive donc aux années actuelles, autour d'une quarantaine de bases, et toujours une coopération très très forte. Il faut savoir que l'Antarctique est un peu la sentinelle du climat. C'est là que le réchauffement climatique est le plus important, avec l'Arctique bien sûr, sur la péninsule. C'est là qu'on a découvert le trou d'ozone. Il y a des tas de phénomènes récurrents et donc ces bases scientifiques sont très très importantes pour les pays qui les soutiennent. Alors le livre qui retrace toute cette épopée, qui finalement, si on se restreint à l'Antarctique, l'Antarctique a été découvert pour la première fois, je dirais, en 1820, donc c'est une histoire relativement courte. Jean-René Vanet nous l'a fait remonter beaucoup plus haut pour qu'on comprenne bien comment s'est passée cette lente progression vers ces latitudes glacées. Il le fait avec énormément d'humour, il est très très exhaustif. L'ouvrage est énormément illustré, au début bien sûr plus en cartes, gravures, portraits de personnes qui ont participé. Puis après, il y a beaucoup de photos, toujours des cartes bien sûr pour qu'on sache où on est dans cet univers qui finalement n'est pas très très connu du grand public. Voilà, on espère que ce livre, qui est une véritable bible, même pour les étrangers, tellement c'est fouillé et bien raconté, permettra à tous ceux qui s'intéressent à ces endroits éloignés, de mieux connaître l'histoire, des origines jusqu'à nos jours.